On est reparti, chers amis, depuis le Karting Define International Raceway de Marienbourg. Bienvenue à toutes et tous si vous nous rejoignez pour la première fois. Vous allez, eh bien, d'ici quelques instants, assister à l'un des moments certainement les plus furieux et les plus hauts en intensité et en émotion du Championnat de Belgique. Un départ de manche, un départ de course en catégorie X30 Super Shifter avec des moteurs de 175 cm3, des boîtes de 6 vitesses et des vitesses de pointe de l'ordre de 135 à 140 km/h. Les Super Shifter, c'est le top du top en matière de frissons, de sensations, de performance avec des départs de type arrêté en mode Formule 1. Parplouk, sa deuxième pole position de la saison pour le jeune pilote néerlandais qui débute cette année dans la catégorie des cartes à bois de vitesse. Jimmy Devane à ses côtés. Avec le même châssis, le télécart de Thierry Delray sous les couleurs de DVN Racing. Sam Klaas, le fer de lance du team SLC, son châssis Sodikart. Christophe Huybers du team DFK, le triple champion de Belgique, candidat à sa propre succession. Hugo Besson du team VDK Racing, qui découvre également la catégorie de bien belle manière avec Sam De Vos à ses côtés, suivi de Guillaume Carrette, Armin Peel, Xander Peters, Kevin Delcroix, Giannis Coponi, Théo Nicolas, Adrien Nagy, Björn Van Gerwen et Bodo Winter. Dès que les feux s'éteignent, on est parti pour 10 minutes et un tour. Les moteurs grondent, on est parti, green, green, green. Très bon envol de la part de Parplouk, mais de Jimmy Devane également, les deux TD-cartes qui sont côte à côte. Est-ce que Christophe Huybers s'est infiltré là-bas, la corde du deuxième virage, ça passe bien pour l'entièreté des pilotes dans ce premier secteur, gare à l'éventuelle touchette. Ouh, Christophe Huybers a tenté de jouer au plus mal à là-bas la corde, mais ce n'est pas passé, Jimmy Devane a fermé la porte. Sam Klaas dans son sillage également. Ah, ces deux-là se connaissent évidemment beaucoup trop bien. Sam Klaas et Christophe Huybers, c'est évidemment nos deux protagonistes d'un duel qui perdure depuis maintenant plusieurs saisons au sommet de la classe Super Shifter. Toujours à l'avantage de Christophe Huybers. Sam Klaas qui rêve sans doute, qui doit cauchemarder la nuit de pouvoir un jour ceindre la couronne de champion de Belgique. Il est à chaque fois, chaque saison, tombé sur un os. C'est le pilote DFK qui le précède justement en troisième position. À la poursuite des deux pilotes chaussés du châssis télécart avec Parplouk devant Jimmy Devane, Christophe Huybers, Sam Klaas. Dans le reste du classement, on va refaire le pointage alors qu'il passe devant nous pour la première fois et ça passe devant pour Jimmy Devane qui ravit la première place à Parplouk. Ces deux-là vont nous lancer dans un duel ô combien fascinant, à l'avantage pour l'instant du pilote DVN Racing. Voyons voir ce que le jeune pilote néerlandais du team de Thierry Delray va pouvoir refaire. Gardez un œil aussi sur la bataille pour la troisième place puisque Christophe Huybers et Sam Klaas ne vont pas se lâcher d'une semelle. Nous avons ensuite Sainte Vos 5e devant Guillaume Carrette, Kevin Delcroix, Théo Nicolas, Armin Peel. Hugo Besson, que s'est-il passé pour le pilote VDK? Aïe, aïe, en queue de peloton pour le jeune pilote du team VDK Racing. On n'a pas eu l'occasion de voir ce qui s'est passé pour le jeune pilote français bien sympathique qui mène un double programme cette année entre le X30 Senior et le Super Shifter. Il se retrouve en queue de peloton ou bien n'a-t-il pas pris le départ? En tout cas, quelque chose semble s'être déroulé de façon non espérée pour Hugo Besson là-bas. Un nouveau tour de bouclé pour Parplouk sur Jimmy Devane, pardon, sur Parplouk. Et la bataille du pilote belge contre le pilote néerlandais qui fait rage. L'entrée de jeu dans cette manche qualificative. Et voilà le numéro 712 que nous perdons également. Et c'est Théo Nicolas qui rejoint Hugo Besson au rang des pilotes malchanceux dans cette manche qualificative. Ça se passe dans le dernier secteur. Vous allez voir le drapeau jaune, on va y arriver d'ici quelques instants. Avec le malheureux Théo Nicolas qui s'est lancé eh bien, depuis la 12e place sur ses grilles de départ. Et qui doit rendre les armes malheureusement. Et difficulté pour le numéro 723 semble-t-il. Si j'ai bien vu, c'est Sainte Vos. Aïe aïe, des ennuis pour Sainte Vos au volant de son châssis Nagy Corse Benelux. Le pilote néerlandais qui était 5e. Et qui menait une belle remontée depuis la 6e place. Et regardez là-bas sur la droite, c'est le châssis de Théo Nicolas que l'on range dans le bas-côté. Et je pense des soucis également qui ont entravé la course de Sainte Vos qui est passé de la 5e à la queue de peloton, semble-t-il, si j'ai bien vu. Effectivement, Jimmy Devane pendant ce temps-là, 3e d'avance sur Parplouk. 4e place dans les mains de Sam Klaas qui tente de rester au contact de Christophe Huybers. Les voilà dans le virage numéro 3. Ils ne sont pas prêts de se lâcher ces deux-là et je pense même que Sam Klaas est passé devant. Oui, effectivement, non pas encore, pardon. De loin, on semblerait confondre les couleurs rouges du team DFK et les couleurs oranges du team SLC. Seule carte de Sam Klaas. Ils sont proches ces deux-là, ils sont proches. Évidemment, contrairement aux autres catégories du championnat de Belgique, eh bien, la classe des super shifters, l'art du dépassement relève évidemment d'un autre niveau, puisque n'oubliez pas que ces cartes sont dotées de boîtes de vitesse et que les pilotes doivent non seulement eh bien, gérer le pilotage, mais aussi se concentrer sur leur passage de rapport, le rétrogradage et l'embrayage de manière ô combien
impressionnante. C'est un véritable exercice d'équilibriste hein, pour ces pilotes de la catégorie Super Shifter, pour ces artistes des cartes à boîte de vitesse sur un circuit aussi rapide mais aussi technique par endroit du karting des Fagnes. Il faut ne pas s'emmêler les pinceaux dans son passage de rapport tout en gardant le pied enfoncé, maîtriser évidemment l'équilibre de sa machine, rester sur la trajectoire. Combien de facteurs évidemment qu'il faut parvenir à prendre en compte, à parvenir à gérer sur toute la durée d'une épreuve, tout en résistant à vos adversaires et en tâchant de trouver le petit écart qui vous permettre de gérer, de pourquoi pas réaliser un dépassement. Donc dépasser, défendre, rester concentré avec de telles machines aussi puissantes et aussi rapides, eh bien ça relève véritablement de l'art, du numéro d'équilibriste qui en tout cas force le respect de bon nombre dans cette catégorie. Et à ce petit jeu-là, pour l'instant, Jimmy Deven se montre à son avantage à ce début d'épreuve. 3e d'avance sur Barpour qui reste au contact. Il a tourné en 54-2, notre leader pour 54-4 pour Barplouk qui perd un petit peu là-bas sur ce dernier secteur. Ça pourrait faire les affaires de Christophe Heubers et Sandclass qui sont toujours séparés par un peu de moins d'un dixième. Ils se connaissent bien pour faire la course en tête depuis maintenant plusieurs années. À ce stade, au niveau du championnat de Belgique en catégorie Super Shifter, eh bien, le classement est mené par un certain Christophe Heubers à nouveau qui, avec une ribambelle de victoire depuis la deuxième manche de Strasbourg, eh bien, arrive à Marienbourg avec une solide avance, un solide et confortable fauteuil de leader pour le pilote DFK. Jimmy Deven est pour l'instant en deuxième position avec 6 petits points d'avance sur Sandclass. Sandclass qui a joué de malchance lors de la troisième manche à Genk avec un abandon lors de ses manches qualificatives. Il s'était à chaque fois refait une petite santé Sandclass, même s'il n'avait terminé que 5e en juillet dernier. 2e juste derrière Christophe Heubers, mais devant Jimmy Deven lors de la dernière manche à Genk du mois d'août. Une finale de Genk qui avait vu bien Stendorian Pirimaggi qui n'est pas présent ce week-end et Barplouk s'expliquer pour la victoire finale avant eh bien, malheureusement de finir dans le décor, ce qui avait offert sur un plateau une nouvelle victoire, la 3e de saison en 4 courses pour le pilote DFK, véritablement imbattable dans cette catégorie Super Shifter depuis maintenant 3 saisons d'affilée, depuis 2020 en fait. Christophe Heubers est invaincu dans cette catégorie Super Shifter. Le dernier à avoir véritablement fait trembler Christophe Heubers, c'est bien Stendorian Pirimaggi lui-même, le pilote estonien, c'était en 2019. Christophe Heubers, à l'époque, avait terminé vice-champion avant de faire Mabas, c'est bien sur tous les trophées de champion suivants jusqu'à cette saison. Mais la question reste posée, évidemment, puisque rien n'est encore fait mathématiquement. Christophe Heubers peut se permettre de gérer, évidemment, chacune de ses manches et même sa finale pour ceindre une nouvelle couronne de champion. On n'en est pas encore là, évidemment, puisque pendant ce temps-là, eh bien, regardez qui est passé devant, c'est Sandclass. 3e position pour le pilote belge. Jimmy Deven, toujours bien installé en tête devant Barplouk. Christophe Heubers qui va se faire doubler par Sandclass. Juste devant Guillaume Carrette en 5e position, Kevin Delcroix 6, suivi de Senvos, qui est toujours bien avec nous, Senvos. Je pense que c'était Théo Nicolas, pardon, du team du course qu'on a retrouvé. Non, Théo Nicolas qui effectivement a dû rendre les armes, tout comme Hugo Besson, abandon. Et ça, c'est bien malheureux. Je pense même qu'il n'a pas pu prendre le départ, tout simplement, le pilote français de Team VDK. Alors que nous avons un souci pour Björn Van Gerwen, un souci de transpondeur. Vous l'avez peut-être vu surgir au sommet du classement. C'était une erreur technique. Mais regardez ce qui se passe devant. Et ça commence un petit peu à gesticuler. Et sans doute à s'impatienter dans le chef de Barplouk, qui vient de reprendre la tête devant Jimmy Deven. Le numéro 780, de retour en tête de cette manche qualificative. Il n'est pas forcément satisfait du déroulement des opérations, sans doute. Même si ils ont un même châssis, la même préparation, eh bien, chacun des intérêts en jeu vaudra son pesant dans la balance. Et au fur et à mesure, évidemment, qu'ils s'expliquent entre deux, ça pourrait profiter grandement à Sandclass et Christophe Heubers qui se rapprochent. On va passer d'un duel entre deux pilotes et une bataille à quatre potentiellement dans les derniers instants de cette épreuve. Avec Barplouk qui tente de se défaire de la pression de Jimmy Deven qui tombe petit à petit dans l'escarcelle de Sandclass. Christophe Heubers a perdu un petit peu de terrain sur son dernier tour. On va refaire le pointage avec un chrono de 54-0 pour Barplouk, 54.4 pour Jimmy Deven et un 53.9 pour Sandclass qui est parvenu à faire la connexion avec le pilote de DVN Racing. Contrairement à Christophe Heubers qui a tourné en 54.1 mais qui reste toutefois au contact en embuscade, sagement évidemment faisant jouer toute son expérience le triple champion de Belgique en titre dans l'attente éventuellement d'un
éventuel retournement de situation dans ce dernier tour de manche qualificative sous le commandement de Bart Ploeg, jeune pilote néerlandais, on le disait, qui a débuté cette saison dans le cadre de la classe à boîte de vitesse, lui qui a signé la pole position à Ostricourt dans les Hauts-de-France pour la deuxième manche. Son meilleur résultat de la catégorie, c'est une troisième position à Genk, quatrième place à Ostricourt, cinquième position à Marienbourg et une sixième place dans la Home of Champions au mois d'août dernier. Ça ne fait que progresser et la constance est certainement au rendez-vous pour Bart Ploeg, qui s'affiche pour l'instant en quatrième position du championnat. Derrière cinq places, Devin et Christophe Elbers, c'est bien les grands habitués de la catégorie, et devant Stendergan Pirimaggi. Pirimaggi donc qui brille par son absence en cette dernière manche du championnat de Belgique, après son abandon évidemment de Genk. Abandon, je dirais plus, il avait quand même toutefois terminé la finale, mais bien loin derrière que ce qu'il espérait. Avec 61 points de prix, Stendergan Pirimaggi, donc cette finale de Genk, qu'il avait terminée eh bien, en 14e position, alors qu'il pensait avoir course gagnée face à un certain Bart Ploeg. Bart Ploeg qui avait toutefois terminé eh bien, en 6e position, compte tenu de l'incident du dernier tour. Donc, compte tenu évidemment de cette fin de course un petit peu tronquée pour Pirimaggi, il a sans doute été décidé eh bien, que le jeu n'en valait plus la chandelle pour cette dernière manche. Peut-être que le pilote estonien du team Eurocarting sera de retour de plus belle pour 2024. Pendant ce temps-là, eh bien, les écarts ont commencé à légèrement grandir, alors que nous sommes dans l'avant-dernier tour de cette épreuve. 4 dixièmes désormais entre Bart Ploeg et Jimmy Devane. Sam Klaas juste derrière et qui tient le bon bout depuis la troisième place devant Christophe Elbers, qui s'est légèrement laissé distancer pour 6 petits dixièmes. Vous voyez le pilote DFK là-bas, bien loin derrière Jimmy Devane et Sam Klaas pour l'instant. Un petit espoir qui subsiste pour le pilote SLC d'aller shipper la deuxième position. On peut savoir, y parviendra-t-il et surtout osera-t-il aller titiller Jimmy Devane dans les derniers instants d'une épreuve, que terminer en troisième position, eh bien, ça vaut peut-être mieux que de se mettre en danger vis-à-vis de votre poursuivant direct. On est parti pour le dernier tour. Un petit rapide coup d'œil de Bart Ploeg par-dessus son épaule. Jimmy Devane qui a pour l'instant mieux à faire que de le poursuivre, c'est de conserver cette deuxième position parce que ça en place. Lui met la pression juste derrière. L'enchaînement des virages 2 et 3, le freinage appuyé, l'enchaînement des rapports à fond vers le gauche du virage du raccordement. Le dépassement est possible dans ce gauche très très rapide. C'est derrière l'ancien podium. En catégorie à carte à boîte de vitesse, je dirais que ce n'est peut-être pas aussi aisé qu'en carte à embrayage, en direct drive comme on appelle. Enchaînement d'escargot. Les derniers coups devant l'accélérateur. Le dévers du virage numéro 12. Et ce sera donc victoire acquise de bien belle manière par Bart Ploeg, le pilote néerlandais qui fait la base donc sur cette première manche qualificative après une belle défense et une bagarre de haute lutte sur Jimmy Devane. Sam Klaas qui prend la troisième position devant Christophe Elbers et très loin derrière, et bien le reste du peloton a 6 secondes 4 rendez-vous compte de retard pour Guillaume Carrette, véritablement dans une deuxième classe hein, nos 4 premiers, une classe véritablement à part par rapport au reste du peloton. Guillaume Carrette qui boucle le top 5, très très loin derrière, devant Kim Delcroix, Sven Vos, Armin Pirl, Janis Koponi, Xander Peters, Bodo Winter, Adrien Nagy et plusieurs pilotes que nous avons perdus au fil de cette épreuve. Hugo Besson qui malheureusement n'a pas pu prendre part à cette manche qualificative et Théo Nicolas qui a dû rendre des armes avec un des pilotes là-bas que l'on a cru un peu en difficulté au cours de cette épreuve. Il s'agissait de Sven Vos qui est bien remonté finalement après avoir perdu un peu de terrain au milieu de son épreuve. Première course donc au programme de la journée pour la catégorie Super Shifter. Première victoire pour Bart Ploeg. Voici donc qui conclut cette première série de manches qualificatives, chers amis. D'ici quelques instants, sur le coup de 14h35, d'ici 6 petites minutes, rendez-vous en piste à nouveau pour la deuxième série de courses qualificatives.